sœurs, je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de vous retrouver encore par le biais de médias. En ce jour, j'aimerais partager avec vous sur l'importance ou l'impact de l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Une chose est vraie, que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et en ce temps, le diable a déchaîné les esprits les plus mauvais de l'enfer, sachant que nous sommes vraiment au temps de la fin. Et en ce temps précis, il est pratiquement impossible de percer sans une puissance surnaturelle. Tu as besoin d'une onction pour percer dans les domaines pour lesquels tu as été appelé. Dieu t'a envoyé sur cette terre avec une mission. Et pour réussir dans cette mission, tu as besoin de cette onction. Alors, je m'en vais lire un passage biblique dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 1er jusqu'au 7e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsa. Ils te diront, « Les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père, ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de vous, et dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» Dès là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment précieux. Nous voulons partager ta parole. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je disais qu'il est important en ce temps de la fin de marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Tu as une mission et pour accomplir cette mission, tu as besoin de cette puissance surnaturelle venant du Seigneur Saint-Esprit. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle d'un jeune homme au nom de Saoul qui, au chapitre 9, on nous parle, il était allé à la recherche de brebis de son père. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait permis la perte de ses ânes pour que ce jeune homme rencontre le prophète Samuel qui le rendra pour devenir roi sur Israël. Et en passant, j'aimerais te dire une chose que des fois, Dieu permet certaines circonstances pour nous conduire à la rencontre de notre trône. J'aimerais te dire une chose, des fois les difficultés, des fois certains problèmes ne sont pas là pour nous tuer, mais ils sont là pour nous introduire dans notre destinée. Ni t'étaient ces problèmes, ce jeune homme n'allait pas rencontrer le prophète Samuel. Alors, arrivé auprès du prophète Samuel, le prophète va le oindre, la déclare, il prendra une fiole d'huile, il va répandre sur la tête de Saoul.
et il dira, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Laisse-moi te dire une chose, chacun de nous a un héritage. Tu as un héritage qui t'a été promis par Dieu, mais l'onction va te qualifier pour régner dans cet héritage. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est la personne idéale qui nous aide à vivre l'accomplissement de toutes nos promesses. Les promesses reçues par Dieu, c'est notre héritage. La Bible déclare que Marie va recevoir une promesse de la part de l'Éternel. L'ange lui dira, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie va poser la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pour te dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui est à mesure, qui a la capacité de rendre réelles les paroles que Dieu nous a données. Et alors, il est très important de savoir que le Seigneur Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante dans ce temps de la fin, dans notre vie. Et la déclare, le Seigneur te oint pour que tu sois chef de ton héritage. Comme je disais tout à l'heure, que les promesses que Dieu t'a faites sont c'est ton héritage. Et pour y régner, tu as besoin de l'onction du Seigneur Saint-Esprit. Oh, je prophétise sur toi que 2017 soit une année où le Seigneur te versera une onction spéciale sur ta vie et cette onction te permettra de vivre la plénitude de toutes les promesses que Dieu a faites sur toi, a faites dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et deuxièmement, la Bible déclare, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Voilà la deuxième chose qui va t'arriver quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Laisse-moi te dire, la deuxième chose, c'est la restauration. L'onction amène non seulement le règne, mais l'onction amène aussi la restauration dans la vie d'une personne. La Bible déclare que dès qu'il a rencontré le prophète l'a oint et il va lui donner une bonne nouvelle pour dire, les ânesses sont retrouvées. Je prophétise sur une personne en 2017 que l'onction du Saint-Esprit restaure tout ce que tu as perdu dans ta vie. Une très bonne nouvelle, quand Dieu restaure quelque chose ou quand Dieu restaure quelqu'un, il fait que la chose devienne la chose soit de plus en plus meilleure. Posez-moi la question pourquoi. C'est pour que tu n'aies plus le temps de regretter ce que tu as perdu. Oh, j'aime bien cette déclaration qui dit que la gloire de la dernière maison sera supérieure à la gloire de la première maison. J'aimerais te dire que ce que tu vas vivre en 2017 sera plus glorieuse que ce que tu as perdu en 2016. Si seulement tu recherches l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Et la Bible déclare, et de là tu iras très loin. Oh, gloire au Seigneur, l'onction t'amènera trop loin. Si tu vivais dans les limitations, j'aimerais te dire une chose, l'onction du Saint-Esprit est à mesure de briser toutes les barrières, de briser toutes les limitations. Et je prophétise au nom de Jésus, 2017 est une année où tu vas vivre des exploits extraordinaires sous l'onction du Saint-Esprit. Tu iras au-delà des limites établies par les humains au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, et tu rencontreras trois personnes, qui, l'autre te donnera le chevreau, pardon, l'autre, l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Gloire au Seigneur, c'est j'aime. Laisse-moi te dire, ces trois personnes révèlent la divinité, la plénitude de la divinité. L'autre avait trois chevreaux, gâteau de pain, outre de vin. Nous voyons la manifestation du Père, la manifestation du Fils, la manifestation de l'Esprit, du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que l'onction du Seigneur Saint-Esprit en 2017 va t'introduire dans la profondeur, dans une communion profonde avec Dieu.
au nom puissant de Jésus-Christ. Et au verset qui suit, la Bible dit ceci, que ils vont te poser la question, ils te demanderont comment tu te portes, et après ils vont te donner. C'est que j'aime quand l'onction de Dieu coule dans la vie d'une personne, la faveur est là. Tu ne demanderas pas, mais les gens vont te donner. Oh, ça j'aime. Quand l'onction de Dieu coule sur une personne, cette onction crée une saison de faveur. Je prophétise sur toi que 2017 soit une année où tu vivras la faveur de Dieu dans ta vie. Tu recevras de gens les choses que tu n'as pas demandées. Oh, Sachem, laisse que cette onction t'affecte, laisse que cette onction impacte ta vie et crée une nouvelle saison, une saison de faveur. Et la Bible déclare, après cela, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Alléluia. Une chose est vraie, quand l'onction du Saint-Esprit descendra sur toi, tu deviendras prophète de ta vie. Cela veut dire que l'onction va impacter tes paroles. Tout ce que tu diras arrivera. Il y aura un pouvoir qui va affecter tes paroles. Tout ce que tu déclareras, cela arrivera. Je prophétise que 2017 soit une année où l'autorité saisira tes paroles et tout ce que tu déclareras, tu le vivras au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, et tu seras changé en un autre homme. Oh, les gens t'ont vu en 2016. Mais laisse-moi te dire, sous l'onction du Saint-Esprit, la personne qu'ils verront en 2017 sera tout à fait différente de la personne qu'ils ont vue en 2016. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise transformation surnaturelle dans ta vie. Parce que l'onction change la vie d'une personne. L'onction change l'état des choses. Et pour finir, l'abbé déclare au verset 7, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Ça, c'est formidable. Il y a deux choses. Lorsque ces signes, quand l'onction du Saint-Esprit coule sur une personne, cette personne devient un signe et devient une personne des signes. Gloire au Seigneur, je prophétise sur ta vie que 2017 soit une année où, alléluia, les signes et les prodiges feront partie de ta vie. L'onction du Seigneur Saint-Esprit te donnera l'habilité de faire ce que tu trouveras à faire sans difficulté. Gloire au Seigneur. La Bible déclare, et quand tu verras toutes ces choses, fais ce que tu trouveras à faire. Et je prophétise sur toi ce que ta main trouvera à faire dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur Saint-Esprit, sous l'onction, au travers de son onction, te donnera du succès. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin vraiment de cette onction. Et comment vivre dans cette onction? Comment faire croître cette onction dans notre vie? Nous avons besoin vraiment de cette communion profonde avec le Seigneur Saint-Esprit. Et deuxièmement, c'est marcher par la foi. La foi libère l'onction. N'oubliez pas, il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. Juste en touchant le pan de la robe du Seigneur, Jésus a senti une force qui est sortie. Qu'est-ce qui a fait sortir cette onction? C'est la foi. Si tu veux vivre cette onction, vis dans la communion avec le Saint-Esprit et vis par la foi. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Prions ensemble. Seigneur Saint-Esprit, je recommande mon frère et ma soeur entre tes très saintes mains. Je te prie de le oindre d'une onction spéciale. Que 2017 soit une année
de gloire, une année de miracles, de signes, de prodiges, une année de faveur sous ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche devant vous. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je compte vous revoir prochainement. Soyez bénis.